Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 26 février je crois, et on va faire un petit tour de jardin. Alors vous allez voir, cette année je suis très très en avance. Mon boulot de tous les jours est assez calme et du coup je passe beaucoup de temps dans le jardin. Donc il est prêt à accueillir les premiers semis de pommes de terre, on va voir ça tout à l'heure, et je me retiens pour pas faire d'autres semis. Enfin bon, on en parlera. C'est parti pour un petit tour de jardin. Pour info, il a plu pendant 3 jours et il est tombé quasiment entre 40 et 50 mm. Donc ça, c'est assez cool. Allez, c'est parti. On va commencer par les semis qui sont à l'intérieur. Notamment les patates douces qui se développent très bien. Alors j'ai beaucoup de questions. Que faire une fois qu'on a les tiges? Ça, bon, je vous remontrerai. J'ai déjà fait des vidéos, puis bon, je vous remontrerai. Parce qu'il y a deux petites solutions. On verra ça dans une autre vidéo. Ici, mes poivrons. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me suffit. J'ai remis d'autres graines là-dedans. Mais comme il n'y a que moi qui mange des poivrons à la maison, bah, ça me suffit largement. Ici, ma stevia. Alors ça, je suis hyper content. Ouais, j'espère que ça va aller jusqu'au bout. Et là, rien, c'était des vieilles graines d'oignons. Je crois que les graines, elles faisaient au moins 10 ans. Il n'y en a qu'une qui pousse là. Voilà, sans plus. J'ai remis quelques graines de poivrier parce que sous ma serre, ils sont pas encore sortis. Alors je sais que c'est long, mais bon, sinon il n'y a pas grand chose. Voilà, donc ça c'est cool. Et pour le moment, un seul semi en bouteille, alors grosse bouteille. Les autres vont attendre encore, mais c'est juste mes kiwanos. Alors voilà, c'est un peu un concombre. Moi j'appelle ça aussi une plante médicinale. On en reparlera. Mais c'est juste voilà, les kiwanos qui sont dedans. C'est plein de vitamine C, c'est super bon. Et ça, généralement, je le fais mi-février. Dehors, on a mes semis de petits pois. Alors, j'avais vraiment fait ça pour m'amuser. Bon, ça pousse quand même. Alors, j'enlève la toile ou je la remets. Mais voilà, bon, ça, je crois qu'en pleine terre, c'est quand même mieux. Mais il y en a quand même qui arrivent. Je pense qu'ils vont tous arriver, même. Chacun sa façon de faire. Je sais pas si je le referai. Ça fait gagner un peu de temps, quoique je suis même pas très sûr. Quelques boutures que j'ai faites. Alors, de l'amande poivrée, de la sauge officinale, et ça c'est de la mélisse. Et ça, bah voilà, j'ai taillé mes vignes, puis toujours j'en mets dans l'eau, puis je distribue. Voilà, tous mes amis qui en veulent, bah voilà, je distribue. Sous mes serres froides, alors il y en a beaucoup qui me demandent ce que c'est qu'une serre froide. C'est très simplement, c'est une serre qui est un peu à l'abri là, qui n'est pas chauffée, serre froide. Et c'est là que je vais mettre mes semis une fois qu'ils sont sortis de terre. Donc là voilà, ça c'est ma batavia qui est très jolie. Côté, on a un peu de poireaux qui arrivent aussi. Là c'est mes fameux poivriers, mais hop là, qui n'arrivent pas pour l'instant, c'est long. Encore de la laitue, de la betterave. Alors la betterave, je l'ai faite il y a 2 semaines. Ça commence à arriver. Je l'ai mis directement en serre froide. J'ai même pas fait germer dans la maison parce qu'il fait beau maintenant. Betterave. Et là aussi encore betterave rouge. Et il y a de la gastache. Quelques plantes médicinales. Enfin voilà. Surtout de la betterave qui commence à arriver. Voilà. Rien de plus pour l'instant sous les serres. Au passage, mon compost perso. Voilà. Donc ça c'est du compost que je vais mélanger avec du tiroir à semis. Voilà, j'en ai récupéré tout ça, j'en ai encore plein à tamiser. Ah, j'en ai eu à tamiser. Ah, c'est un peu long, bah, comme il a plu, j'attends que ça se sèche un petit peu. Les cuves sont pleines, j'aurais fait la vidéo dimanche dernier, elle était à moitié, hein, largement à moitié. Mais voilà, là tout s'est bien rempli. Le fameux tas de compost, donc ça c'est celui qui est en cours. Et ça c'est celui d'il y a 3 ans quasiment. Voilà, c'est celui que je tamise. Alors c'est drôle hein, que tout ça devienne une si bonne terre. Mais ça c'est cool. Ici mes fraisiers, mes framboisiers. Voilà, sont en train d'arriver tranquillement. De ce côté là, toujours mon hydroponie qui est en attente. Hein. Forcément, dans les tuyaux, il fait trop froid pour que je commence. Et là, j'ai semé ma moutarde. Bon, je vous l'ai vu sur les réseaux, je pourrais pas vous le montrer, il fait pas assez de focus, sont toutes petites pour l'instant. Mais là, c'est ma moutarde.
Ici, j'ai mis des petits pois. Voilà, j'ai mis ça il y a une semaine. Je sais pas s'ils vont lever pour l'instant, vu que la température est redescendue un petit peu. Même si aujourd'hui on a une belle journée, la semaine prochaine, ils annoncent pas mal de froid. À côté, on a mes fèves. Donc ça, c'est planté début novembre. Mon poulailler jardin. Donc là, j'ai fermé, donc les poules y vont pas. J'ai tout bêché. Et là, ça va attendre les premiers semis. C'est une super terre. Là, j'ai trouvé des vers de terre, mais là, c'est des folies, des vers de terre énormes. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, j'ai mis un peu de fleurs devant, avec de la moutarde aussi. On voit pas, mais bon, là, il y a plein de petites moutardes qui arrivent. Allez, l'autre côté. Toutes mes petites buttes. Ici, ma roquette. La roquette, on en a tout le temps. Voilà, ça tombe en fleurs. Ça arrive en fleurs, ça se ressème, et voilà, tout le temps on en mange. Voilà. Je comprends pas pourquoi on en achète. Enfin, je comprends pas pourquoi on en achetait avant, surtout. La roquette, j'en ai toute l'année. On en mange très 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 souvent. Donc voilà, après, c'est mes buttes, elles sont prêtes à accueillir. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Il reste un petit peu de carottes dans celle-là. Ici, voilà, c'est prêt à accueillir les pommes de terre. Donc j'ai laissé des radis, c'est des daikans, je crois, des radis blancs. J'ai laissé deux têtes qui vont faire aussi des graines. J'ai même de l'ail. Pareil ici, voilà, c'est propre. Ça attend que ça arrive. Là, ce sera les tomates cerises. Ici, j'ai repiqué toute mon ail. Je dois avoir plus de 200 têtes d'ail un peu partout. Un peu de carottes. Voilà, ici, mon fameux test que vous avez vu. Avec, voilà, il est presque plein. Donc ce système-là est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Il a plus de dents. L'eau était à peu près ici, la moitié. Donc j'ai dû prendre 100-150 litres. Voilà, ça c'est vraiment bien. Donc là, pareil, ça attend. C'est tout prêt. Ça attend les premiers semis. On aura le temps. Ici, avec mon grillage, j'ai mis des petits pois. Ils n'ont pas encore levé, en même temps ils sont peut-être mis trop tôt, enfin, bon, on verra bien. J'ai pas trop vu. Ici encore des fèves, de l'ail, des fèves, et ça c'est des betteraves. Des betteraves oranges. L'année dernière qui reste encore. J'ai une betterave rouge, là ça attend en fait pour que ça monte en graines. J'ai récupéré mes graines. De l'autre côté, j'ai déjà mis mes zoya. Pourquoi? Parce que ici, j'ai mis mes radis avec mes panais. Voilà, entre chaque zoya. Et puis je viendrai mettre une tomate de chaque côté. Et après, ce sera ce que j'appelle mes semi-bouche-trou, betterave, salade, un peu partout. Donc cette butte, elle est prête. Et je vous parlerai aussi du paillage. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun paillage, j'ai tout enlevé. Il faut que ça se réchauffe. Et je vous parlerai du paillage de cette année, qui ne sera pas forcément un paillage, mais on en reparlera. Donc là, pareil, encore de l'ail. Pareil, j'ai tout nettoyé. Là, j'ai remis tous mes topinambours après avoir fait mes chips. Donc là, il y aura tous les topinambours. Là, ce sera aussi des pommes de terre. Il y a toujours des carottes pour l'instant, mais je l'enlève après. J'ai retrouvé des pommes de terre dedans. Ma vigne, je l'ai taillée. Hop, pareil, des petits fraisiers. Encore des betteraves, deux betteraves. Je pense que je vais laisser monter en graines. Derrière, il y a deux batavia qui ont résisté à l'hiver. Donc pareil, elles vont monter en graines, je vais récupérer les graines. Et les carottes, je récupère plus les semences de carottes. Il y a trop de risques de mélange. J'ai un ami qui a été malade. Et sérieusement malade avec ses graines. Bon, donc voilà, je préfère en racheter. Et ici, c'est ma butte de pommes de terre perpétuelle. Donc les pommes de terre de l'année dernière qui sont déjà dedans. Avec encore de l'ail que j'ai mis par-dessus. Voilà, donc là, je crois que j'en ai vu une qui arrivait, mais il faut pas que ça arrive trop tôt parce que ça va lui geler la tête.
De ce côté-là, partout où il y a le grillage, il y aura des petits pois. Petits pois que j'ai mis en godet, je vais les remettre dedans. J'en planterai également d'autres. J'ai laissé un radis rouge pour récupérer la semence. Juste à côté, ça c'est une butte de pommes de terre perpétuelle aussi. Il y a toujours des pommes de terre à l'intérieur. Et là, ce sera futur essai. Voilà. J'en parle pas tout de suite, j'en parlerai plus tard. C'est un projet qui va pas plaire à tout le monde, mais j'ai envie de tester quelque chose. Donc, ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà, après, il y a poirier, pommier, mes petites greffes, mes greffes de pommier. Voilà, c'est cool, ça a bien fonctionné. Je vous montrerai l'appareil avec lequel j'ai fait. J'ai prévu de faire une vidéo avec. Enfin, une vidéo tuto, voilà, juste de l'appareil. Donc là, celle-ci a bien marché. Et là, j'ai même pas vu qu'il y a un bourgeon qui commence à se développer aussi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait un trou ici. Et ça sera une autre vidéo. Et le pêcher commence à avoir des bourgeons. Certains bourgeons commencent à éclater. Donc il faudrait pas trop de gel. Mais ça, c'est pas gagné. On verra ce que ça va faire cette année. Voilà les amis, vous avez vu, hein, tout est prêt. Tout est en attente du semis. Soyons pas trop pressé, même si le jardinier est trop pressé, et je suis très pressé, j'adore faire des semis. Ça me démange de commencer les semis de tomates, mais bon, on va attendre un petit peu. Je vais quand même sûrement en faire, mais pas les semis de masse. On n'est que fin février, voilà. Tant que mars n'est pas passé, on n'est pas à l'abri de gros gelées, et bon, c'est dommage de tout perdre. Bon, les amis, pour ce petit tour de jardin avec un ciel qui est vraiment super joli ce matin. Hein. Là, ça fait 3 jours, 4 jours où il pleut et c'est pas. Enfin, il en faut de la pluie, hein, mais bon. Il en faut, mais quand c'est là, c'est toujours triste. Enfin bon, voilà. Allez, je vous souhaite bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci à tous.